que si vous allez sur Facebook, il y a quand même 4000, plus de 4100 personnes qui vont sur Facebook. Allez, Pierre! Thank you.
Voilà, c'est parti pour les deux documents. La dernière série pour les Master 7. Nous avons ensuite les Master 6. Voilà, moi je vous le faire. Pour la meilleure performance de l'histoire.
Poulin 53-615, Tony Le Tellier 53-636, et en troisième position, donc pour l'instant, Eric Gobet 54-385. Allez, bravo! Revient à Eric Martignol.
Voilà le dernier classement, et nous avons donc le nom de Chicago. 15 points, et troisième, Angélique Ferdinand, de Saint-Pierre, Comité du Centre, 9 points. Nous sommes partis pour 60 tours, premier classement en 10 tours. Master 4. Voilà, pour vite à son prochain tour. Elle sera s'inquiéter de ce site. Thank you.
l'état des voies du premier suivi de Bréa Grosset en cycliste, à mettre 8 points. Dans les 5 tours. Comme s'ils n'avaient rien arrêté. Voilà, le tour va se compter à reprendre sa place. Il y a 5 tours pour le faire. Et nous sommes à 14 tours de l'arrivée, à 4 tours du 5e et avant-dernier classement. Et j'espère que l'on s'est très loin pour la victoire finale.
arriver dans quelques secondes. Et bien sûr, le changement ce soir. Nous commençons, bien sûr, par la conseillère de l'État, je vous en au retour sur la ligne. Voilà, Première question. Yeah!
Phase de jeu. Je pense, hein. Dernier. Il y aura plus de changements au niveau
du classement de l'équipe, ce sera pour Teddy Marchand de l'Est et Marou. Comité de la Normandie va quand même voir se dérouler ce dernier sprint. Comité d'Île de France ainsi que la médaille d'or. Bon, on n'a pas compté les maillots de Michel Briand, mais croyez-moi, il a rempli sa garde-robe. 5, ouais, pratiquement la totalité, il a rien de plus pour. Voilà que, hein, on t'édit un peu, Michel. Voilà, bravo, il est fleuri, on va les inviter à monter sur le podium avec les applaudissements du public. Quand vous voyez le tricolore, il a commencé à monsieur Bernard Mignon, et c'est le Fossi, comité du centre, le maillot tricolore et la médaille d'or. Bernard Mignon, nouveau champion de France Master 6 de la course au point. Voilà, le superbe maillot, la superbe médaille de la Fédération française de cyclisme. Et on va demander aux concurrents de se placer sur le podium avec bien sûr les applaudissements de tout le public, tous ceux qui sont encore ici, puisque c'est vrai, il y a déjà pas mal de personnes qui ont repris la route pour eux ici, donc sur le podium. Bravo à vous, messieurs. Un champion de France aujourd'hui, félicité par Sébastien et puis Fleury pour notre champion de tête. Messieurs, sur le podium, l'ami public, n'hésitez pas à renouveler vos applaudissements. Et on partira bien sûr à...
juste quelques minutes après nous laisser partir chacun dans vos régions respectives. J'aimerais remercier déjà vous, messieurs, dames, les participants qui êtes venus, nombreux malgré les difficultés cette année, on est un petit peu à l'euro, et c'est avec un grand plaisir qu'on est pour vous accueillir aussi à Amiens pour cette seconde année, pour cette deuxième invitation des Générales France Master. J'en profite également pour remercier toutes les personnes au sein de l'équipe hein, qui ont contribué au bon fonctionnement des Générales France. Bien sûr, à mon nouveau arrivé, Max, à la colimétrie, ainsi que Cassel. Je pense aussi à mon acolyte, un petit peu plus discret, moi, qui m'a pris la parole, mais qui fait du très bon boulot derrière ses gamins. Je pense aussi, bien sûr, à notre directeur Mathieu, la remplaçante de Stéphanie, qui avait fait un petit boulot, on l'a connu là-bas, tu vois, Stéphanie. Et on a aussi Delphine, qui a fait un grand boulot. Selma, bien sûr, merci Selma, le beau sourire que vous voyez chaque fois à l'accueil. J'ai oublié un jour qui, bien sûr, on remercie les deux jeunes filles qui ont fait à chaque fois les podiums. Je pense qu'il y a Caroline et Romane. Ensuite, j'en profite encore pour remercier nos bénévoles. Ah, ils sont un petit peu pris là-bas, on va les entendre. Voilà, merci à nos bénévoles qui ont été là pendant les 3 jours. Ça a été 3 jours relativement longs pour tout le monde, aussi bien pour nous coureurs que pour les accompagnants que pour les organisateurs. Et je vous remercie certainement beaucoup de personnes. En tout cas, on vous donne rendez-vous. On espère tous peut-être l'année prochaine. On vous en tiendra informé pour toutes les évolutions qui se passeront sur le logo. Mais on espère compter sur vous pour les années à venir. Messieurs, dames, un grand merci. Je vous passe le micro à notre ami Francis Adel. Je vous remercie également. Parce que j'en ai beaucoup, on a jamais été ce que vous remerciez. Donc, on le remercie. Et aussi, messieurs, dames, des applaudissements pour nos familles, les commissaires. Qui ont fait un grand boulot derrière. On les remercie tous. Richard, à la fin de finish. Je remercie aussi qui vient de hier, hein, qui a fait la route et qui remporte ce soir mon courage. Je vous souhaite des personnes en tout cas. Merci à tous et à très bientôt.